Bon, Geoffrey, enfin, victoire à domicile, qu'est-ce que ça fait du bien, non ? Ouais, ça fait du bien, on l'attendait avec impatience. Aussi de partager avec le public, on va pas se cacher, on est vraiment contents, donc voilà, une soirée positive. On a sorti des chiens sur le terrain ce soir. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ce qui nous manquait depuis cette première partie de saison. Là, on travaille bien depuis plusieurs semaines, donc il faut continuer dans cette voie-là. Et le gros positif, c'est que le public, voilà, il s'est identifié à nous et puis il nous a poussé aussi quand il fallait. Et ça doit être ça, l'âme de verre. Maintenant, il faut enchaîner, Bordeaux, mardi. Avec le même état d'esprit. Ouais, c'est ça, voilà, c'est une grosse semaine. Bordeaux et puis Bastia à domicile. Donc c'est bien pour le moral, on est qualifié, maintenant il faut passer à autre chose et voilà, le haut niveau c'est de pouvoir enchaîner ce type de performance pour avoir des résultats parce qu'on se rend compte que c'est dur de gagner les matchs et si on fait moins, et ben, ça passera pas. 8e de finale, hein, c'est la première fois depuis 12 ans hein, que Valenciennes est en 8e de finale, du coup bah, c'est quoi ta préférence pour le tirage ? Bah, surtout comme j'avais dit au tour d'avant, peu importe, mais la grosse priorité est de jouer à domicile, après on verra. Merci beaucoup Geoffrey. Voilà.